Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Rendez-vous du soir. Rendez-vous du soir, vous le savez, c'est chaque jour à partir de 18h. Et nous avons un invité ce soir dans cette émission. Il s'agit du professeur, docteur Antoine Moudia Oyandjo, mais également l'administrateur général. Docteur, bonsoir d'abord. Vous pouvez terminer vos casquettes. Mais écoutez, mais il y en a plusieurs. Oui. Donc, tout à l'heure, vous disiez que j'étais l'administrateur président fondateur d'une grande structure qu'on appelle la Fondation des Anges. Okay. Et la Fondation des Anges comprend également un département médical et qui gère ce qu'on appelle les cliniques des anges. Okay. Donc je suis président, administrateur président de la Fondation. Et je suis le médecin directeur général de toutes les cliniques des anges éparpillées à travers les pays. Et voilà, vous avez bien fait votre présentation, parce que j'allais omettre autre chose. D'accord, alors, il est là avec nous ce soir, le professeur docteur Antoine Moudia Oyandjo. Il est également gynécologue. Je suis gynécologue, obstétricien et échographiste. D'accord. Alors, ce soir, nous allons parler de campagne qu'il a toujours fait, ça fait 11 ans déjà, qu'il procède aux campagnes gratuites de maladies gynécologiques de femmes, ces campagnes de dépistage gratuit de maladies. Ce sont des campagnes de dépistage gratuits des maladies gynécologiques. D'accord. C'est la fête 11 ans, docteur. C'est depuis 2013 que nous avons commencé cette bonne campagne. Je dis bonne parce qu'elle a servi à pas mal de choses. Elle a servi à faire de bonheur de pas mal de femmes. D'accord. Pas mal de femmes, c'est vrai, docteur. Mais qu'est-ce qui vous a motivé? Mais la motivation, elle est... je dirais vital hein, pour moi. C'est depuis ma tendre enfance que je lutte contre la misère. D'accord. Donc la misère, c'est le fait de ne pas manger et parce qu'on n'a pas l'argent. La misère, c'est le fait de ne pas se faire soigner parce qu'on n'a pas d'argent. La misère, c'est le fait qu'on ne peut pas mettre ses enfants à l'école parce qu'on n'a pas l'argent. La misère, c'est aussi la violence. D'accord. Sous toutes ses formes. Et donc moi, je considère la maladie comme étant une violence interne. Et que subissent les femmes. Et c'est pour ça que j'ai pris l'option de me battre contre cette misère. D'accord. Vous le faites gratuitement? Je le fais gratuitement pour la simple raison, c'est que notre population est très démunie, la plupart en tout cas. Et les gens que je vivais, ça aussi une autre motivation, c'est-à-dire que depuis que je suis rentré au pays, après mes études en Belgique, à Liège, eh bien je me suis rendu compte que dans mes consultations de tous les jours, je tombe sur des maladies qui n'auraient pas dû tuer les femmes. D'accord. À des états très, très avancés. C'est pour ça que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi doit-on laisser mourir toute une population pour de l'argent? Et quand je pose la question aux femmes, elles me disent, docteur, d'abord, un, je ne savais pas que j'étais malade. Deux, et même si je le savais, je ne pouvais pas venir parce que je n'avais pas l'argent. Okay. Voilà une grande motivation et j'ai choisi justement le mois de mars, le mois dédié à la femme, pour pouvoir lancer cette première campagne il y a 11 ans. D'accord. Il y a 11 ans, docteur, comme vous le dites, justement le but de ces campagnes, est-ce que c'est seulement les dépistages ou il y a autre chose? Non, mais d'abord, il faut vous dire qu'une campagne a un but. L'objectif, c'est de pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, en général... réduire la misère, réduire la souffrance des femmes. C'est une véritable souffrance. Et concrètement, c'est que femmes qui ne se connaissent pas, qui ne savaient pas qu'elles étaient malades, et qui viennent au cours de ces campagnes parce que c'est gratuit, autrement, vous savez, en général, une consultation des gynécologues... Ça coûte à peu près combien? Mais chez un professeur comme moi, en gynéco, en Europe, c'est beaucoup plus cher, hein, 200, 100 dollars. Ici, c'est 45 dollars pour permettre à tout le monde d'accéder. D'accord. Et une échographie normale faite par moi-même ou par mes collaborateurs, c'est autour de 50 dollars. D'accord. Et pendant cette campagne, en fait, ça signifie que je donne à chaque femme, à chaque Congolaise qui vient nous voir, à peu près 100 dollars gratuitement. Ok, vous le faites gratuitement, 100 dollars. Donc, il y a les consultations et puis l'échographie. Consultation, échographie et la prise en charge qui va suivre. D'accord. Alors, docteur, ça fait 11 ans, comme on le dit, que vous avez procédé à cette campagne. Alors, le but, vous venez de le dire, quelles sont les femmes qui sont généralement concernées par rapport à cette campagne? À tout âge.
Contrairement à ce que vous pouvez penser, les femmes commencent à être malades à partir de leur puberté, il faut dire. Okay. Mais il y a d'autres maladies, congénitales, les gens peuvent venir au monde avec leurs maladies. Mais celles qui nous intéressent, les maladies qui nous intéressent, eh bien, se développent à partir de 18 à 70 ans, s'il faut le dire comme ça. C'est notamment les maladies qui concernent l'appareil génital de la femme, notamment la matrice. Et dans la matrice, les maladies qui se développent là-dedans, c'est notamment les myomes, les fibromes. Et il y a aussi les ovaires. Et dans les ovaires, on a ce qu'on appelle des kystes. Malheureusement, on peut trouver également des maladies dans ce qu'on appelle les trompes, mais c'est assez rare. Mais surtout, l'utérus, les fibromes, les kystes, et malheureusement parfois, nous découvrons des cancers de l'utérus, le cancer du col et l'utérus, le cancer de corps de l'utérus, les cancers, je n'ai pas oublié le sein, parce que le sein, c'est aussi des organes génitaux. D'accord. Alors, la capacité d'accueil lorsque vous lancez ces campagnes, ce sont les femmes de toutes les couches, de toutes... Mais la campagne est ouverte à toutes les couches sociales, parce que vous avez dit, ça ne coûte rien. On demande habituellement aux femmes de venir se faire inscrire avant, pour, ça, pour que ça nous permette de planifier. D'accord. Et elles doivent acheter simplement leur fiche, parce que la santé, c'est quelque chose qui se fait en secret. C'est discret. Et nous demandons que ces femmes achètent cette fiche qui ne coûte rien, dans les 5 000 francs, parfois 10 000 francs, ça dépend de la maladie. Mais alors, qu'est-ce que nous disons? Ces femmes viennent acheter et donc ces fiches et viennent, et elles ont accès directement à la consultation et à l'échographie, même aux examens de laboratoire de routine. D'accord. Et si nous découvrons des maladies, et Dieu seul sait combien nous en découvrons, eh bien, nous demandons à ces femmes-là de pouvoir venir nous voir, nous donner la possibilité de les soigner. Mais on demande une petite contribution quand même, parce que la campagne, elle est gratuite, parce que, bon, c'est fait par une personne avec une machine d'à côté, mais une intervention demande quand même une grande structure pour qu'on puisse avoir tous les éléments qu'il faut pour que l'intervention se passe dans de bonnes conditions. Parfois, on demande, parfois, j'ai dit, parce qu'il y en a qui ne payent pas. Il y a beaucoup de femmes, je ne sais pas si vous en aviez interrogé quelques-unes, et qui ont bénéficié de ces techniques gratuitement. Mais habituellement, on demande une petite contribution pour couvrir ce qu'on appelle la trousse chirurgicale. D'accord. Alors, docteur, lorsque vous faites cette campagne, quelles sont les maladies que vous avez souvent l'habitude de découvrir chez ces femmes? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les maladies de femmes. Oui. Les maladies de femmes, c'est les maladies qui concernent leurs organes génitaux. D'accord. J'ai cité tout à l'heure la matrice avec son col. Il y a les trompes, il y a les ovaires. Eh bien, toutes ces structures-là peuvent être les sièges d'une maladie. Au niveau de la matrice, c'est ce qu'on appelle des myomes, des fibromes. Et au niveau des ovaires, c'est ce qu'on appelle des kystes. D'accord. Mais au niveau de la matrice, également, on peut trouver les cancers. Les cancers du col, les cancers du col de l'utérus, les cancers de la couche qui se trouve à l'intérieur de la matrice qu'on appelle endomètre. Malheureusement, parfois, comme nous faisons donc une consultation globale, nous commençons par la palpation des seins, nous trouvons également des maladies au niveau du sein. D'accord. On peut trouver des fibromes dans le sein, on peut trouver des kystes, malheureusement parfois, nous tombons sur les cancers, mais à des stades avancés. Les raisons d'être de cette campagne, parce que ces maladies-là, les cancers du col, les cancers du sein ne devraient pas tuer. Lorsqu'elles sont, ces maladies sont découvertes à temps et précocement, eh bien, on soigne et les femmes guérissent. Mais dans les cas, ce qui a suscité justement mon attention, ma motivation, c'est que les femmes, pour la plupart, viennent à des stades de cancer avancés où nous ne pouvons presque plus rien faire. Mais parce qu'ils n'ont pas l'information, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas l'information, c'est ça le but de la campagne. Voilà. C'est parce qu'ils n'ont pas la possibilité, évidemment, de se faire soigner. D'accord. C'est vrai que vous faites le dépistage gratuitement et tout ça, mais après avoir dépisté ces femmes, qu'est-ce que vous en faites? Mais vous savez, la première chose d'abord, c'est la sensibilisation. On leur donne des conseils pour dire qu'un cancer du sein, vous pouvez découvrir vous-même en tant que femme en faisant l'autopalpation chaque matin ou une fois par an, ça suffit. De manière à ce que si vous découvrez quelque chose autre que ce que vous sentez habituellement, c'est ça que je demande toujours aux femmes, il faut connaître vos seins. D'accord. C'est quelque chose de matelassé, d'élastique et de souple et qui ne fait pas mal du tout. Mais lorsque vous trouvez
quelque chose comme une boule à l'intérieur, un nodule. Mais ça peut être uniquement, par exemple, un kyste ou un fibrome. Ce n'est pas très grave, mais ça peut cacher un cancer. Donc déjà, les conseils que nous donnons, la sensibilisation, c'est déjà ça. Le fait qu'une femme doit venir voir son médecin au moins une fois l'an. Nous regardons les cas. Parce qu'en fait, les cancers, par exemple, de sein, vous pouvez vous-même arriver à faire les diagnostics parce que vous sentez quelque chose de différent dans vos seins. Par l'autopalpation. Par l'autopalpation. Mais pour voir ce que c'est les cancers du col, il faut aller voir son médecin qui doit pouvoir prendre le temps de regarder les cols avec le matériel dont il dispose et vous dire que ce col est sain ou ce col commence à être malade. Et quand on dit commence à être malade, ce sont ce qu'on appelle des lésions qui précèdent les cancers, on appelle des lésions précancéreuses, on peut les soigner. Parce que pour que ces lésions-là deviennent de cancer, il faut compter au moins 10 à 15 ans. Vous voyez bien que donc la femme meurt faute de connaissances. D'accord. Donc après avoir dépisté ces femmes, lorsque vous trouvez ces maladies, vous... faites comment vous... Oui, mais c'est-à-dire que, en dehors de ce que je viens de dire, les conseils, ben, nous les orientons. Si c'est des petits fibromes qui commencent, des petits myomes, c'est la même chose, un fibrome et myome, c'est presque c'est la même maladie. Eh bien, nous conseillons pour les femmes qui sont en instance de mariage, nous leur conseillons de se marier et d'avoir beaucoup d'enfants. D'accord. Parce que les myomes ne se développent pas dans l'utérus qui développe les grossesses. Donc, les grossesses sont aussi une sorte de traitement pour ce genre de maladie, vous savez. Mais ce que nous faisons, c'est parfois commencer un traitement médical. Mais comme je vous ai dit, la plupart de ces femmes arrivent lorsque l'utérus entier est envahi par des boules, myomes. Eh bien, nous sommes parfois obligés, si nous avons la possibilité d'enlever les boules, nous pouvons enlever. Mais sinon, pour la plupart des temps... même si la femme est très jeune, parfois on est obligé d'enlever la matrice. Pourquoi? Parce que le fibrome lui-même ne peut pas tuer. Mais le fait que c'est un corps étranger qui peut comprimer les autres organes nobles, notamment les tuyauteries qui amènent l'urine de rein vers l'extérieur, vers la vessie, si vous comprimez ces tuyauteries, qu'on appelle les urétères, eh bien vous allez tuer, vous allez détruire le rein. Si vous détruisez le rein, vous mourrez. Donc, les cancers, je vais dire, les fibromes lui-même ne tuent pas, mais c'est une complication. Vous allez avoir des problèmes d'hémorragie, donc c'est une femme qui saigne beaucoup. Vous allez avoir un problème d'infertilité. Parfois, les grossesses entrent, mais ne restent pas, ou n'entrent pas du tout. Ou alors, malheureusement, il y a très peu de cas de ces myomes qui peuvent se cancériser. D'accord. Les myomes, le kyste, le cancer de sein, est-ce que vous le faites, en fait, les opérations aussi, c'est fond après... le dépistage. Nous les opérons justement. Je vous ai dit que si c'est... on peut soigner médicalement avec des médicaments, on soigne. Voilà. Mais je vous ai dit que la plupart des temps, les gens viennent lorsque le fibrome nécessite une intervention. Nous, justement, nous les opérons en longueur. En fait, les opérations, c'est vrai, mais vous le faites avec vos propres moyens ou ce femme-là Mais je vous ai dit tout à l'heure, on demande une petite participation, une contribution pour acheter la trousse chirurgicale. Mais je vous assure, sur 100, 80% de ces femmes ne sont même pas capables d'acheter cette trousse chirurgicale. Et donc, nous les opérons avec le moyen de bord de la Fondation. D'accord. Alors, c'est une bonne chose. C'est à féliciter vraiment ce que vous faites pour ces femmes. 11e édition, ça s'est passé au mois de mars. Au mois de mars. Dernier. Quelle a été la particularité cette année? Mais la particularité, c'est qu'en fait, nous sommes allés vers les femmes cette fois-ci. D'accord. C'est-à-dire que nous avons mené des campagnes, surtout en dehors de l'hôpital. De la clinique. Nous sommes allés vers les églises, et surtout cette fois-ci, nous sommes allés dans les églises d'Engili, qui étaient réunies. Nous avons mené cette campagne, et ces femmes ont eu l'occasion de venir vers la clinique cette fois-ci, parce que nous ne pouvons pas déplacer tous les matériels, et puis, disons, l'environnement. Reiki n'est pas nécessairement dans les endroits où nous allons sensibiliser et les femmes sont venues donc alors vers nous, vers nos cliniques. Il faut dire que les cliniques des anges, il y en a deux ici à Kinshasa, il y en avait plusieurs à l'époque,
mais il y en a deux qui sont encore en train de fonctionner. C'est la clinique, la grande clinique des anges Mauvent, derrière le Palais du Peuple, sur Mouchy, pas très loin d'ici. Et il y a une autre clinique des anges sur la route de Matadi. La route de Matadi, et pas très loin de Météo. Et c'est dans ces deux structures que nous avons cette fois-ci centré les consultations et les dépistages. Il est aussi bien clairement dit que lorsque nous avons la possibilité d'aller plus loin, comme je vous l'ai dit, après Kinshasa, nous avons des extensions à Goma et à Kisangani, et c'est ce qui va se passer au mois de septembre à Kisangani et au mois d'octobre à Goma. Donc nous essayons d'aller vers le fond. La campagne, cette fois-ci, ça ne sera plus Kinshasa. Non, Kinshasa est là. Kinshasa a eu sa part. Ben, nous disons que nous avons des représentations à Goma. Nous avons une grande clinique des anges à Goma. Et nous sommes préparés cette fois-ci de descendre à Goma au mois de, j'ai dit tout à l'heure, au mois de septembre et à Kisangani au mois d'octobre. D'accord. Alors, docteur Modia, nous allons souffler. Nous allons prendre cet élément qui est sur chez Papa Freddy, là-bas du côté de la régie. Nous allons revivre la campagne, la 11e campagne de cette année. Comment ça s'est passé? Papa Freddy, si vous pouvez nous donner cet élément. La Fondation des Anges, à travers la Clinique des Anges, a procédé ce samedi 18 mars 2023 à la cérémonie du lancement officiel de la 11e campagne de dépistage gratuit de maladies gynécologiques de la femme. Devant plusieurs invités de marque, le docteur professeur Antoine Modia Oyandjo a invité les femmes à venir se faire dépister afin d'éviter le pire. Il y a d'abord des cliniques des anges à Kinshasa. Il n'y en a plus que deux, il y en avait plusieurs. Et la clinique des anges qui se trouve derrière le Palais du Peuple, sur l'avenue Mouchy, croisement Mouchy-Costa, numéro 2. C'est une grande clinique, un grand immeuble, on ne peut pas passer à côté. Et donc, les dépistages ont lieu tous les matins à partir de 9h jusqu'à 16h. Mais il faudra aller s'inscrire avant parce qu'il y a pas mal de demandes. Nous ne pouvons pas recevoir plus de 100 femmes par jour. C'est pour ça que nous planifions. Et donc, les gens doivent venir. Et ça va se prolonger jusqu'à la fin de ces mois. Heureusement, nous avons la possibilité, si nous avons une demande importante, nous pouvons peut-être rallonger la campagne jusqu'au 15 avril. Au cours de ce 11e édition, le professeur Antoine Modia Oyandjo a lancé également le centre d'assistance médicale à la procréation qui va résoudre le problème d'infertilité de couple en République démocratique du Congo. L'infertilité, c'est une souffrance personnelle pour la femme, une souffrance pour la maison, donc une souffrance conjugale, une souffrance au niveau de la société également, parce que les femmes ou les couples, surtout les femmes infertiles, ce sont les femmes marginalisées. Mais voilà, il y a une solution. Ce n'est pas une solution à 100%, mais une solution quand même, parce que ces technologies modernes nous permettent de résoudre pas mal de problèmes. Ça signifie que ces techniques nous donnent la possibilité d'augmenter les chances de ces femmes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés pour concevoir, qui ont des difficultés pour pouvoir finalement un jour être mère ou père. Notons que cette campagne ira du 1er au 31 mars 2023 à la clinique des anges Bouvant ainsi qu'à la clinique des anges à VIP à Bin. Voilà. Professeur Docteur Modia, la particularité que j'ai demandé tout à l'heure de cette campagne, eh bien, c'était ce message, une première en République démocratique du Congo. À Kinshasa, on retrouve un centre d'assistance médicale à la procréation que vous avez mis en place il y a peu. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, parce qu'en fait, vous savez, en tant que gynécologue, je suis médecin de fertilité. D'accord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'infertilité, l'infécondité du couple est un gros problème. C'est une grosse souffrance pour la femme, pour l'homme, pour la société et pour la famille. Alors, mais ces techniques modernes d'assistance médicale à procréation ont commencé ailleurs, à l'extérieur du pays, en Europe, en Amérique et dans certains pays d'Afrique depuis un certain temps. Mais c'est depuis peu que ces techniques commencent à arriver chez nous.
en ce qui concerne notre pays, un centre entièrement géré par les Congolais, les premiers, c'est le nôtre, qui est venu quand même il y a quelques années. Un de nos collègues, de notre confrère, avait ouvert un centre d'assistance médicale qui est maintenant fermé, malheureusement. Mais donc, nous sommes là parmi les tout premiers Congolais à pouvoir lancer cette activité d'assistance médicale à l'appropriation. Ça signifie que nous allons essayer de résoudre pas mal de problèmes. Le problème d'infertilité. L'infertilité. Vous savez, jusque-là, nous ne faisons que ça. Mais il arrive qu'on arrive à bout, qu'on ne sache plus continuer, prolonger ou donner de l'espoir aux dames. Mais les techniques d'assistance médicale à la procréation, notamment la fécondation in vitro, l'insémination intra-utérine par conjoint par donneur, ces techniques sont venues pour résoudre les problèmes, l'obstacle qui était devant nous. Et maintenant, cet obstacle peut être levé, Donc, avoir des enfants aujourd'hui, c'est possible. Avoir des enfants, ça a toujours été possible depuis longtemps. Mais pour les femmes, pour les couples stériles, les couples infertiles, il est possible, dans la limite de technique, parce qu'il ne faut pas dire que c'est un miracle. Donc, on ne vient pas dire, maman, vous venez aujourd'hui, nous commençons la technique, demain matin, vous avez à 100% la possibilité d'avoir un enfant. Mais nous avançons quand même, ça, sans ces techniques, c'est zéro enfant. Mais lorsque vous êtes dans... impliqué donc dans cette équipe, lorsque vous êtes, si vous voulez, déjà pris en charge, eh bien nous avons 30 à 50% de chances de faire en sorte que vous puissiez un jour porter un bébé. Le centre se trouve ici à Kinshasa, à la clinique des anges Bovan. Tout à fait. Purement congolais. Congolais. Donc en fait, depuis, il faut dire aussi que depuis un certain temps, vous savez que nos frères, viennent de partout à travers le monde parce que Kinshasa c'est quand même propice. Eh bien, il y en a quelques étrangers qui sont venus déjà aussi s'installer ici. Mais notre centre, c'est un centre ouvert à toutes les couches sociales parce que nous disons que c'est l'assistance médicale, la procréation à la portée de tous. Parce que ce sont des techniques qui coûtent très très cher. D'accord. Mais nous allons essayer de faire à ce que tout Congolais puisse avoir la possibilité d'y accéder. Alors, docteur, par rapport aux techniques, est-ce que vous avez le matériel qui sont à la hauteur? Parce que les gens peuvent se dire congolais. Mais je ne sais pas si vous n'avez pas été à la petite conférence que nous avons organisée. Je voulais que vous... Mais je crois que vous avez les images pour vous les montrer. Oui, on va Mais c'est-à-dire que nous avons toute la possibilité aujourd'hui. Nous avons réuni tous les matériels nécessaires pour démarrer. Nous attendons que nos sœurs, nos frères viennent nous voir pour commencer à justement les prendre en charge. D'accord. Alors, vous avez dit qu'il y a trois techniques que vous utilisez par rapport à ce centre. Est-ce qu'on peut avoir quelques explications? Donc, la première technique, la plus simple, c'est ce qu'on appelle l'insémination artificielle par conjoint, c'est-à-dire par son mari. Alors, vous savez, le problème de fertilité concerne le couple. Donc, à 30% c'est la femme qui est responsable, 30% c'est l'homme et 30% c'est les deux ensemble. D'accord. Et il y a 10%. Donc ici, dont nous n'incriminons que le femme. Mais c'est ça le problème. Donc le problème de fertilité, c'est un problème ou de stérilité, c'est un problème de couple. C'est l'homme et la femme. C'est l'homme ou la femme, ou les deux à la fois. Donc ce que nous disons, c'est que cette technique-là, la première, la plus simple, concerne justement à résoudre les problèmes de l'homme. D'accord. Ça dit que la femme n'a aucun problème, ses trompes, sa matrice existe, eh bien, est réceptive, ses trompes sont perméables et ses ovaires fonctionnent normalement. C'est plutôt l'homme qui a des difficultés avec son spermogramme. Voilà. Peut-être qu'on n'en a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de spermatozoïdes. Quand on fait les analyses de sperme, on trouve que il n'y a pas beaucoup de spermatozoïdes. Et quand on voit, même s'il y en a, mais il y en a trop peu qui sont assez actifs. Donc, il y en a qui sont immobiles. Donc, si nous avons ces gens, et puis malheureusement, il y a des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes. Oh là là. Dans ces conditions-là, s'il y en a un peu, eh bien, on prend le peu de spermatozoïdes, on les prépare, on les lave dans les laboratoires de biologie pour choisir les meilleurs d'entre eux et on prépare la femme, on prépare sa matrice de manière qu'à un moment précis, après avoir donné des médicaments pour faire pousser les ovules dans l'ovaire, c'est-à-dire
pour que la femme puisse en vulgairement pondre, parce que chaque mois, chaque femme émet ce qu'on appelle l'ovule, c'est l'ovulation, mais nous, nous donnons un peu plus de possibilités à cette femme en donnant les médicaments pour qu'on ait deux ou trois ovules. Et nous prenons à ces moments précis que nous avons déclenché, dans les 36 heures qui suivent, nous avons déclenché l'ovulation pour pousser la femme à ovuler obligatoirement. Eh bien, nous demandons à l'homme de venir au laboratoire, nous donner son sperme, et on choisit les meilleurs spermatozoïdes, on remet dans la matrice la femme. Alors, c'est là-dedans que la femme... Maintenant que les spermatozoïdes se débrouillent pour aller rencontrer l'âme sœur, qu'on appelle l'ovule, dans la trompe, dans le tiers externe de la trompe. Alors, et ça, c'est la technique la plus simple, qu'on appelle insémination artificielle par conjoint. Mais une insémination intra-utérine. Et si l'homme a vraiment de gros problèmes, et qu'il n'y a pas de spermatozoïdes du tout... Qu'est-ce que vous faites alors? À ce moment-là, on conseille ce qu'on appelle le don de sperme. Donc, comme on donne le don de sang. Exactement. Donc, nous recrutons de donneurs sains, parce qu'il faut le dire, ce sont des gens qui doivent être screenés, qui doivent être examinés de fond en comble et qui doivent avoir la possibilité d'avoir un bon spermogramme. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas le même problème que la personne qu'on va assister. Et ces personnes sont venues, c'est, en fait, ça s'est fait dans l'anonymat le plus total. Donc, le couple ne peut pas, ne doit pas les connaître. Et puis, oui, alors on fait ce qu'on appelle insémination intra-utérine artificielle par donneur. Voilà la technique la plus simple. Mais il arrive justement, et la plupart des temps, c'est la femme qui est concernée. Prenons l'exemple le plus simple, c'est qu'elle a des trompes bouchées. Si elle a des trompes bouchées, il n'y aura jamais des racontes, quelle que soit la fécondance de l'homme. Mais on n'arrivera jamais à une grossesse parce que le spermatozoïde ne peut pas franchir l'obstacle. Et la fécondation in vitro consiste justement à faire ce que je venais de dire, à donner à la femme de médicaments pour qu'on ait... Parce que Dieu a fait en sorte que chaque mois, une femme a tant de famille. Donc, elle va ovuler au moins une fois. Nous, pour donner le maximum de chance au couple, eh bien, on donne des médicaments pour que les ovaires fonctionnent de manière à ce qu'on ait plusieurs ovules. Et avant que ces ovules n'éclatent, après qu'on ait déclenché, on fait exactement la même chose. On demande à la femme de venir à l'hôpital. Nous l'endormons parce que nous avons suivi tous les développements des ovocytes. Eh bien, au moment où nous sommes presque à l'ovulation, parce qu'on a déclenché 36 heures avant, on demande à la femme de venir à l'hôpital, on l'endort un peu, et puis on va chercher les œufs, les ovocytes à l'intérieur du ventre de la femme, avec l'échographie endovaginale. Nous allons donc ponctionner, on dit ça, on appelle la ponction ovocytaire. Nous sortons donc les œufs, donc les ovules dehors. Nous les mettons dans une éprouvette. C'est pour ça qu'on appelle fécondation in vitro. À l'époque d'ailleurs, on appelait ça bébé éprouvette. Alors, on met les œufs, les ovules dans une éprouvette et on demande au mari, ces jours-là même, de venir avec son sperme. On analyse, comme on a fait tout à l'heure pour l'insémination, et on prend les meilleurs des spermatozoïdes, on les met ensemble avec les ovocytes, avec les ovules. Eh bien, 48 heures plus tard, nous venons regarder s'il y a eu deux enfants, s'il y a eu des embryons formés. Et donc, c'est un grand événement. Donc, c'est qu'il n'aurait pas pu se faire in vivo, dans l'intérêt du corps de la femme, c'est fait à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle in vitro. In vitro. Donc, on a la fécondation in vitro, parce que c'est un verre. Et alors, une fois que les embryons sont formés, eh bien, les biologistes, parce qu'il faut dire qu'il y a des équipes séparées. Nous, gynécologues, nous faisons le travail que je viens de vous dire. Et quand nous sortons les ovocytes, nous donnons à une autre équipe des biologistes et des embryologistes. C'est eux, en fait, qui vont suivre et qui vont d'abord choisir les meilleurs des ovocytes, les meilleurs des spermatozoïdes. Et une fois qu'il y a fécondation, c'est eux qui doivent nous dire que ces embryons sont bons ou pas bons, parce qu'il ne faut pas transférer, justement, les mauvais embryons, ça ne donnera aucun résultat. Ben, une fois qu'ils ont fait leur travail, au cinquième jour, après la fécondation, ben, ils nous redonnent les embryons. Nous rappelons maman, cette fois-ci, on ne l'endort plus, on la met en position gynécologique, et nous allons avec le cathéter qui contient donc les embryons, et nous allons les déposer dans la matrice de la maman. Pour le développement. Justement, et la grossesse commence,
c'est une grossesse normale, l'artificiel s'arrête à ce moment-là. Mm-hmm. Cette grossesse pourra se développer, elle pourra s'arrêter, on peut aller jusqu'à terme. Et donc là, il n'y a plus que Dieu qui peut agir, mm-hmm. évidemment sous la surveillance médicale. Alors, docteur, si le mari de cette femme-là a un problème de spermatozoïde, ouais. est-ce que on recourt de nouveau, on peut recourir de nouveau au donneur. Au donneur. Mm-hmm. Mais il arrive que la femme, ou bien l'homme qui est venu chez qui on n'a pas trouvé des spermatozoïdes, mm-hmm. on puisse se poser la question, mais pourquoi il n'y en a pas? Parce qu'il y a deux raisons. Les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules qui sont dehors. Mm-hmm. Vous savez que chez la femme, tout est à l'intérieur. Okay. Nous, une grosse partie de nos organes sont à l'extérieur, d'accord. surtout les testicules, et Dieu sait pourquoi. Mm-hmm. Parce que ces testicules contiennent les spermatozoïdes. Pour que les spermatozoïdes puissent se développer, il faut une température inférieure à 37 degrés, mm-hmm. donc dehors. Donc, certaines personnes eux-mêmes se rendent stériles mm-hmm. parce qu'ils coincent cet endroit-là. C'est-à-dire avec quoi, docteur? Rendre stérile. Mais c'est-à-dire que faites en sorte que les testicules ne fabriquent pas les spermatozoïdes parce qu'on les a mis dans un four, parce qu'on l'a serré. On met ce qu'on appelle les jeans. Par rapport à l'habillement. Voilà, l'habillement, le jean, c'est serrant. Et parfois, on se pose la question, pourquoi ça ne va pas? Mais c'est ça, justement. Mm-hmm. Donc, ces personnes-là peuvent avoir des problèmes de fabrication des spermatozoïdes. Okay. Mais il y en a qui fabriquent normalement les spermatozoïdes, mais ces spermatozoïdes ne peuvent pas sortir parce qu'il y a eu des infections qui ont barré mm-hmm. le canal et qui sort, qui fait que les spermatozoïdes et les spermes sortent. Mm-hmm. Il y a certaines personnes qui donc ont des obstructions de ces canaux. Et à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans les testicules, faire une ponction des dents okay. avec une seringue, essayer de voir si les spermatozoïdes qui sont emprisonnés dans le testicule mm-hmm. peuvent sortir. Et une fois qu'on sort, à ce moment-là, la dernière des techniques qu'on a trouvées, mm-hmm. parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'on mettait ensemble les ovocytes et les spermatozoïdes pour qu'ils puissent pouvoir féconder. Voilà, pour que les spermatozoïdes puissent féconder les ovocytes et qu'on ait des embryons. Mm-hmm. Mais il arrive malheureusement que malgré tout ça, les spermatozoïdes qui sont devant l'ovocyte mm-hmm. et devant les ovules mm-hmm. ne puissent pas les féconder. Okay. Oh, ben on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est comme une histoire? Alors, les techniques ont évolué. Maintenant, on peut prendre les spermatozoïdes et l'injecter de force dans l'ovocyte. Wow. Voilà. Uh-huh. À ce moment-là, nous avons une fécondation par injection mm-hmm. intracytoplasmique de spermatozoïdes dans l'ovocyte. D'accord. Et c'est la dernière des techniques. Mm-hmm. Et c'est ce qui a fait que les hommes qui étaient désespérés, aujourd'hui, sont heureux. Mm-hmm. Sont heureux, comme le docteur le dit. Les hommes qui ont désespéré peuvent avoir deux enfants aujourd'hui. Alors, parmi ces trois techniques, docteur, est-ce qu'il y a des techniques qui échouent? Vous commencez quelque chose et puis voilà, ça s'arrête. La nature elle-même échoue. Mm-hmm. Vous savez bien, pour que si vous prenez un couple normal, c'est-à-dire qu'il n'a aucun problème, eh bien, ce couple peut attendre parfois un an avant de pouvoir se retrouver avec une grossesse. Mm-hmm. Donc, pourquoi? Parce que la fécondabilité, les chances de pouvoir être mère pour la femme ne sont que de 25% après des rapports sexuels réguliers, normaux, sans protection, mm-hmm. au bout d'un mois. 25%. Mm, okay. On a encore à peu près 10% des couples qui n'ont pas d'enfants alors qu'il n'y a pas de problème mm-hmm. au bout d'une année. Okay. Ça signifie que l'espèce humaine n'est pas si reproductive. Ce qui fait que ça échoue et que parfois il faut venir voir les médecins pour pouvoir pousser les ovaires, mm-hmm. des choses comme ça, avant de passer dans les nouvelles techniques d'assistance. Okay. Vous savez que, bon, je suis là depuis plus de 30 ans, mm-hmm. et j'ai fait en sorte que beaucoup de couples soient heureux, mm-hmm. et la preuve, c'est que des maudits se sont multipliés dans la cité. Vraiment. Alors maintenant, mais il y a des couples qui ont de gros problèmes, comme celui que je viens de dire, mm-hmm. à qui on ne peut pas donner solution, okay. et ces techniques viennent pour dire que la nature fait
mieux, peut-être 25%. Mm-hmm. Mais si nous avons des problèmes aussi graves que ceux dont je viens de parler, mm-hmm. les techniques nouvelles d'assistance médicale à procréation vous donnent à peu près les mêmes chances, entre 20, 30, voire 50% de chances de pouvoir avoir un enfant. D'accord. Donc, les échecs existent. D'accord. Alors, docteur, par rapport à ces techniques, on peut se dire aujourd'hui que nous voulons 3 bébés. Ah ben, alors là, c'est facile. C'est facile parce que le nombre d'embryons que vous mettez dans la grossesse mm-hmm. ou les grossesses gemellaires ou des grossesses triples, ouais. eh bien, dépendent du nombre d'embryons que vous avez mis dans le ventre de la femme. D'accord. À l'époque, comme on ne savait pas conserver les embryons, mais si j'en ai 5, je mets dedans. Mais avec les risques, les 5 se développent. Mm-hmm. Vous êtes venu chercher un enfant pour avoir une grossesse assez acceptable, mm-hmm. donc facilement, pas trop de complications, mais si vous vous retrouvez avec 5 embryons et qui se développent au même moment, ça pose des problèmes. D'accord. C'est ainsi que depuis un certain temps, on ne transfère plus que maximum 3 embryons. Ah, si oui. les 3 se développent, vous aurez des triplés, mais habituellement, il y en a un ou deux qui se développent, surtout un et les autres arrêtent de se développer. Mm-hmm. Donc, c'est pour donner les maximums de chances que la grossesse tienne, qu'on met au moins maximum 3 embryons. D'accord. Et donc, on peut avoir des triplés par ces techniques-là sans beaucoup de problèmes. Alors, docteur, on va souffler un tout petit peu du côté de la régie. Papa Freddy, si vous pouvez nous donner les images de ce centre que le docteur a mis en place pour justement donner l'espoir à tous les couples désespérés. Voilà. Aux couples désespérés. On y va. Du nouveau à Kinshasa, la solution à la stérilité de couple est désormais possible en... Afin de répondre à la demande des mamans de la République démocratique du Congo en général et de Kinshasa en particulier, la Fondation des Anges, à travers la Clinique des Anges, prolonge les 30 jours la campagne de dépistage gratuit de maladies gynécologiques, notamment kystes, myomes, cancer de col de l'utérus, cancer du sein et autres maladies de la femme, soit du 1er mars 2023 au 30 avril 2023. Maman, jeune fille, la Fondation des Anges, à travers la Clinique des Anges, a procédé ce samedi 18 mars 2023 à la cérémonie du lancement officiel de la 11e campagne de dépistage gratuit de maladies gynécologiques de la femme. Devant plusieurs invités de marque, le docteur professeur Antoine Modia Oyanjo a invité les femmes à venir se faire dépister afin d'éviter le pire. Il y a d'abord des cliniques des Anges à Kinshasa. Il n'y en a plus que deux, il y en avait plusieurs. Et la clinique des Anges qui se trouve derrière le palais du peuple, sur l'avenue Mouchi, croisement Mouchi-Costa, numéro 2. C'est une grande clinique, un grand immeuble, on ne peut pas passer à côté. Et donc les dépistages ont lieu tous les matins à partir de 9h jusqu'à 16h. Mais il faudra aller s'inscrire avant parce qu'il y a pas mal de demandes. Nous ne pouvons pas recevoir plus de 100 femmes par jour, c'est pour ça que nous planifions. Et donc, les gens doivent venir. Et ça va se prolonger jusqu'à la fin de ces mois. Heureusement, nous avons la possibilité, si nous avons une demande importante, nous pouvons peut-être rallonger la campagne jusqu'au 15 avril. Au cours de ce 11e édition, le professeur Antoine Modia Oyanjo a lancé également le centre d'assistance médicale à la procréation qui va résoudre le problème d'infertilité de couple en République démocratique du Congo. L'infertilité, c'est une souffrance personnelle pour la femme, une souffrance pour la maison, donc une souffrance conjugale. Une souffrance au niveau de la société également, parce que les femmes ou les couples, surtout les femmes infertiles, ce sont les femmes marginalisées. Mais voilà, il y a une solution. Ce n'est pas une solution à 100%, mais une solution quand même, parce que ces technologies modernes nous permettent de résoudre pas mal de problèmes. Ça signifie que ces techniques nous donnent la possibilité d'augmenter les chances de ces femmes qui ont des problèmes, qui ont des difficultés pour concevoir, qui ont des difficultés pour pouvoir finalement un jour être mère ou père. Notons que cette campagne ira du 1er au 30.
À travers la clinique des anges a procédé ce samedi 18 mars 2023 à la cérémonie du lancement officiel de la 11e campagne de dépistage gratuit de maladies gynécologiques de la femme. Devant plusieurs invités de marque, le docteur professeur Antoine Moda Oyanjo a invité les femmes à venir se faire dépister afin d'éviter le pire. Il y a d'abord des cliniques des anges à Kinshasa. Voilà. Le professeur docteur Antoine Modia, c'est vrai que vous avez mis en place ces centres. Quelles sont les femmes qui ont des chances d'être heureuses? Mais je crois qu'avant de pouvoir les dire, ces femmes normalement doivent venir subir ce qu'on appelle un bilan d'infertilité. D'accord. Pour connaître la cause de son infertilité. Et ces femmes sont orientées en fonction de ce que je viens de vous dire, des examens, de ces bilans-là. D'accord. Celles qui ont n'ont pas de problèmes avec leur trompe, n'ont pas de problèmes avec leur matrice, eh bien, et les ovaires qui fonctionnent bien, ces femmes-là sont normales, mais si elle n'a pas de grossesse, c'est son mari. Donc, on a procédé à celle que vous avez dit. Ça, c'est une chance qu'on peut donner à cette femme en prenant les spermatozoïdes de son mari, qu'on améliore et qu'on injecte dans l'utérus le jour de l'ovulation provoquée. D'accord. Et celles-là ont cette chance. Celles qui n'ont pas de trompe ont également la même chance parce qu'on peut leur donner la possibilité de pouvoir subir ce qu'on appelle la fécondation in vitro, je viens de vous le dire. Donc, les femmes qui n'ont pas de trompe. Voilà. Oh, bah, quand elles trompent, elles n'ont pas de trompe, peuvent avoir des enfants. Peuvent avoir des enfants parce qu'on va procéder à la technique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les femmes qui n'ont pas de matrice, alors là, ça pose un problème. Ok. À ce moment-là, il faut recourir à ce qu'on appelle les mères porteuses. À Kinshasa. À Kinshasa. Mères porteuses. Mères porteuses, c'est-à-dire que. Nous nous arrangeons à trouver des dames de bonne foi, de bonne volonté, qui veulent porter la grossesse à la place de la femme. De la femme qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas de Ça signifie matrice. Que c'est l'enfant de cette femme, parce qu'on a pris les ovules de la femme qui n'a pas de matrice, et on a pris les spermatozoïdes de son mari, on a procédé à la fécondation in vitro. Et on prend l'embryon comme elle n'a pas de matrice. On prend son embryon, on met dans le ventre de quelqu'un d'autre. Okay. C'est d'une porteuse. Okay. C'est ça. Donc, c'est possible. Mais il faut accepter déjà cette affaire-là. Le fait de ne pas porter son enfant. D'accord. Donc, on fait pas mal de choses qui font qu'un jour, que ces couples-là deviennent parents. Parents. Ah, d'accord. Alors, docteur, pour les femmes qui sont ménopausées, voilà. Comment Une ça belle se passe question. Alors, les femmes ménopausées ont des problèmes avec les ovaires. C'est parce que, en fait, vous les femmes, quand vous venez au monde, vous venez avec un nombre connu de ovocytes, qui sont tout petits, des follicules primordiaux. Et au fur et à mesure que vous grandissez, à partir de la puberté, vous commencez à perdre chaque mois une centaine de ces œufs-là, donc de ces ovocytes. Et quand vous les perdez, au bout de 300 ou 400 ovulations, il n'y a presque plus rien. Vous êtes à 40 ans, 45 ans, mais vous êtes dans la ménopause, c'est-à-dire les ovaires sont épuisés, il n'y a presque plus rien dedans. Okay. Ces femmes-là ont des problèmes d'avoir des enfants naturellement. Mais avec les nouvelles techniques, on peut demander à ces femmes de venir, à qui on donne des médicaments. Pour voir s'il y a encore deux ou trois petits follicules qui sont restés, eh bien, on va pouvoir faire en sorte qu'ils croissent. Et que si on a la possibilité de pouvoir trouver un ou deux, mais on procède à la technique que je vous ai dit ici. Et ces femmes-là, j'ai une femme de 53 ans qui est enceinte suite à cette technique, mais réalisée dans un des centres de nos collègues qui viennent de l'extérieur. D'accord. Et que je suis très bien. Donc, c'est possible. Alors qu'on est ménopausé, on peut avoir des enfants sans problème. D'accord. Ouais. Alors, docteur, c'est vrai, les mamans qui sont ménopausées aujourd'hui peuvent... Mais je n'ai pas terminé parce que si vous-même, malgré tout ce qu'on a fait, vous n'avez pas la possibilité d'avoir des ovocytes parce qu'ils sont complètement épuisés, on peut faire comme on fait avec le spermatozoïde, ce qu'on appelle le don d'ovocytes. D'accord. Alors, vous allez trouver deux femmes qui sont de bonne foi, comme vous l'avez dit. Pour donner leurs ovocytes. Oui, mais il y a même des gens qui s'arrangent en famille pour dire « ma sœur n'en a pas, mais moi je peux donner
mes ovocytes. Alors, docteur, est-ce qu'il ne va pas se poser de problème? Lesquels? Aujourd'hui, votre frère se dit, moi je me porte donneur pour donner mon sperme à la femme de son frère. Oui. Est-ce que ça ne va pas poser de problème? Ça ne pose pas ça poserait des problèmes si c'était une initiative du centre. Ok. Mais si une famille s'arrange en disant, vous savez, en Afrique, il est arrivé dans certaines communautés que l'homme puisse dire, mais écoutez, moi je dois me reproduire, mais je n'arrive pas. Eh bien, je demande à mon frère de me donner des enfants via ma femme. Vous comprenez, ça arrive. Mais ici aussi, c'est possible que un homme puisse dire, je vais aller avec mon frère pour qu'il puisse, au lieu d'aller chercher les spermatozoïdes que je ne sais pas, c'est presque le même sang. D'accord. Eh bien, je prends ceci. Là, c'est connu. Mais ça, c'est un problème de la famille. Vous devez nous signer, quelques papiers. Voilà, donc un consentement pour dire que je suis là et je ne ferai aucun problème à mon frère, par exemple. Mais c'est pour ça que nous préférons des donneurs anonymes, des gens qu'on ne connaît pas. D'accord. À ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette femme qui n'a pas d'ovocytes. Oui, tout ça. Et donc, voilà. Mais on a pu prendre les ovocytes de quelqu'un d'autre qu'on utilise, mais avec les spermatozoïdes de son mari. D'accord. Et à ce moment-là, étant donné qu'elle, elle a sa matrice, eh bien, elle a l'embryon qui est en fait à moitié l'enfant de son mari et à moitié l'enfant de sa sœur, par exemple, ou de la donneuse qui a donné. D'accord. Et donc, mais vous savez que ces techniques-là soulèvent aussi des problèmes éthiques et des problèmes moraux, c'est vrai. Okay. Mais ces techniques sont encadrées ailleurs par des lois. Et c'est ce qu'on va pouvoir arriver à faire dans notre pays également pour éviter les abus. D'accord. Alors, docteur, vous avez dit que les femmes ménopausées n'ont plus de problème. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont, en fait, qui ont connu de problèmes, qui se disent, moi, je ne suis pas concernée par ces techniques. Voilà, je reste stérile toute ma vie. Mais ça, c'est son choix. Le choix d'avoir un enfant, c'est un choix personnel. Si, mais vous savez que c'est quand même mal vécu dans nos sociétés. Le fait que, bon, ben, vous êtes là, vous êtes femme, vous n'avez pas plus la possibilité de faire en sorte que vos maris, votre mari puisse se reproduire, c'est ça. Et vous-même aussi, eh bien, ça pose des problèmes. Mais ce n'est pas une obligation de pouvoir avoir des enfants. En Europe, il y a plusieurs couples qui vous disent, non, je n'ai pas besoin d'enfants. En Afrique, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une grande souffrance quand on n'a pas d'enfants. Parce que même pour le futur, même pour sa vieillesse, on a quand même besoin d'être entouré de sa progéniture. D'accord. Et c'est la chance que ces techniques amènent maintenant dans notre milieu. Ok. Alors, docteur, nous sommes en train d'atterrir. Tout à fait. Est-ce que vous avez un petit conseil à donner à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce net? Le conseil, c'est pour leur annoncer cette bonne nouvelle, que cette technique-là, au lieu de faire de voyages, aller à l'extérieur du pays, ça coûte ce que ça coûte. Ce sont des techniques, même si c'est fait ici, ça coûte quand même plus cher. Mais je dis que nous allons faire en sorte que nous puissions donner la possibilité à tous ces couples à pouvoir accéder à ces techniques. C'est pour ça que notre centre d'assistance médicale à procréation s'appelle l'assistance médicale, dans l'assistance médicale à procréation à la portée de tous, de tout le monde. Donc, il est temps, il faut que les gens viennent s'inscrire, il faut que les gens viennent nous voir pour qu'on puisse les enregistrer et pour qu'on lance justement cette course vers le bonheur. Moi, j'attends le premier bébé qui sortira du centre. Donc, voilà. Notre premier bébé prouvette. Je crois que ce sera pour la... Mais écoutez, je crois qu'on aura le temps de discuter en tant que partenaire. Ce sera peut-être Clarisse. On ne sait jamais, c'est possible. Bon, on attend, nos caméras sont là. Mais bien sûr, vous viendrez parce que vous avez filmé la technique. Mais maintenant, vous allez venir filmer les bébés éprouvettes. Ce sera l'année prochaine. Il faut compter 9 mois au moins de grossesse. 9 mois déjà. Donc, il y a déjà une femme. Non, il faut compter 9 mois de grossesse. D'accord, 9 mois de grossesse. Donc, l'année prochaine. L'année prochaine. On aura le bébé. Certainement plusieurs bébés qui vont venir. D'accord. La première portera peut-être votre nom. Alors, les femmes sont appelées à s'enregistrer déjà.
Donc, les couples, non, ça dit c'est une question des couples. Hein. Le problème de fertilité, c'est le problème des couples. Mm-hmm. Donc, quand les femmes ont des problèmes, c'est parce qu'elles sont mariées ou elles vivent avec quelqu'un d'autre. Normalement, pour qu'on ait un enfant, il faut être deux. Donc, nous attendons les couples qui ont ce genre de problèmes mm-hmm. de venir et il ne faut pas avoir peur. Les techniques, évidemment, coûtent très cher. Mais on fera en sorte qu'ils aient la possibilité d'y accéder sans problème. Voilà, c'est par ce mot de docteur professeur Antoine Modia Oyanjo, qui a plusieurs casquettes. Moi, j'aime l'appeler le professeur, le directeur général de clinique des anges, mais également l'assistant, en fait, l'administrateur général. Oui, l'administrateur président fondateur de la Fondation des Anges. Mais je suis affecté aussi comme professeur à l'Université d'Extanagne. Voilà, comme vous venez de le dire, c'est avec ce mot que nous allons terminer, bien sûr, cette émission. Professeur, merci de répondre. C'est moi qui vous remercie et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. C'est votre plaisir. Je vous remercie pour tout ce que vous faites parce que cette belle information que vous passez va sauver des vies. Voilà. Alors, je dis merci à mon équipe technique, Papa Freddy, André Capanche. Je vous dis merci pour assurer la technique. On se retrouve très prochainement à travers un autre numéro. Mais d'ici là, retrouvez Nacha Kitete pour le compte du Grand Journal. Bye bye.